Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Veilleur Automoto. Donc on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel. On va démonter le manchon qui raccorde donc l'entrée d'air à la boîte à air. Parce que le mien est un peu abîmé, un peu moche, donc j'en ai acheté un neuf. On va faire ça ensemble. Il y a énormément de vent aujourd'hui, donc j'espère que vous allez quand même bien m'entendre. Je ne sais pas encore si je vais filmer avec le téléphone que je vais poser dans un coin ou si je vais mettre le tour de tête avec la caméra, je ne sais pas du tout. Voilà, parce que il fait, ça souffle quand même pas mal, ça caille, il fait 16 degrés. Donc voilà, on va faire ça ensemble tout de suite. C'est la voiture qui est archi dégueulasse. Un petit tour rapide qui permettra de conclure cette vidéo également. Vous avez remarqué que c'est ce que je fais assez souvent en ce moment. Alors j'appuie mais la voiture est déjà chaude, hein. Vous en doutez, je suis pas malade. Je note pas de changement au niveau du comportement. Donc là bien sûr ça pouvait être un peu bruyant pour vous parce que je testais bien sûr en montant dans les tours, toujours bien sûr dans le respect des limitations de vitesse, hein. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on n'est pas des gangsters, on n'est pas des voyous, on n'est pas dehors la loi, et surtout on la respecte, la loi, quoi. La route est à tout le monde, il faut la partager, la respecter, respecter tout le monde, que ce soit les motos, et je dis pas ça parce que je suis motard, les motos, les autos, les bus, les camions, tout, même les caravanes. On va essayer de ne pas écraser ce chien qui fait un gentil pipi. Voilà. Donc voilà. Comme d'habitude, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu être utile à certains. Dans tous les cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner vos avis dans les commentaires, à me poser vos questions également si vous avez des interrogations. Je vous rappelle le site internet
www.veilleur.ovh. Et je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt.